Bonjour à toutes et tous, j'ai eu la chance de pouvoir tester cette canne Gunky modèle UMI. C'est le modèle S210H, donc une canne qui mesure 2,10 m bien entendu et qui a une puissance donnée pour 10-40 g. En sachant que j'ai lancé des leurres beaucoup plus lourds, elle est très puissante et très polyvalente. Alors, chose qui est assez rare chez Gunky tout du moins, on a un blanc de couleur bleue assez dense, donc qui se voit très bien. Et chose qui est très appréciable, on a d'une part le blanc et d'autre part ce talon poignet, ce qui permet de éventuellement démonter la canne pour gagner un petit peu en encombrement, mais qui du coup ne va pas nuire à l'action globale de la canne. Donc ça c'est quand même très intéressant. On a un porte-moulinet qui est assez léger. La poignée en elle-même mesure 39,5 cm jusqu'au pommeau arrière. On voit qu'il a en plus la décoration avec le crâne tête de mort qui est l'emblème un petit peu de Gunky. Donc 39,5 cm et jusqu'au pied du moulinet, on est à 30,5 cm. Donc c'est une canne, ce qui permet de lancer aussi bien à une main qu'à deux mains sans aucun problème. Donc ça, c'est très appréciable. Et surtout, la puissance de la canne est intéressante puisqu'on peut pêcher, notamment en lancer ramené, avec encore une fois des chattes de belle taille. J'ai beaucoup pêché avec des Dexter, avec des têtes de 21 grammes. Et ça les satellise vraiment très très bien. Les anneaux sont de bonne qualité, c'est des Fuji. Alors c'est pas des cas, c'est des modèles un petit peu plus simples, mais ils sont très bien montés. On voit que les ligatures sont vraiment très bien finies avec un petit liseré or à la base et un fil bleu au milieu. Donc des ligatures assez fines, ce qui permet de donner un look assez joli à la canne dans son ensemble. Voilà, donc canne UMI 210H, vraiment très plaisante sur le terrain en tout cas, quoi.